dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Fait et fixé, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité, que ton amour me soit consolation.
selon ta promesse à ton serviteur, que ma vie et ne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte au superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 130. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, Seigneur, je n'ai point le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni le prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence. Mon âme est en moi comme un enfant. L'enfant se réveille de sa mère. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur. Dès maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 131. Garde mémoire à David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. Moi n'entrerai sous la tente ma maison, moi ne monterai sur le lit de mon repos. Moi ne donnerai le sommeil à mes yeux, et point de répit à mes paupières. Que je ne trouve un lieu à mon Seigneur, un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Éphrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l'arche de ta force. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais.
ces justes, je les bénirai de bénédictions. Ces pauvres, je les rassasirai de pain. Ces prêtres, je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une lampe pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Sophonie. Cantique de Sophonie 3, page 332. Pousse des cris de joie, fille de Sion, un chant d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi, il a détrôné ton ennemi. Le Seigneur est roi au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à craindre. Sois sans crainte, Sion, ne laisse pas défaillir tes mains. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, guerrier vainqueur. Le Seigneur exulte de joie pour toi, il te renouvelle par son amour. Il lance pour toi avec des cris de joie, comme un jour de fête. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Si nous consentons par la prière à être envahis par le fleuve de vie, notre être tout entier va être transformé, nous deviendrons des arbres de vie et nous pourrons de plus en plus porter le fruit de l'Esprit, aimer, de l'amour même qui est notre Dieu. Il nous faut sans cesse insister sur ce consentement radical, sur cette détermination du cœur où notre volonté se livre inconditionnellement à l'énergie de l'Esprit-Saint. Sinon, nous sommes dans l'illusion du savoir ou du discours sur Dieu et nous restons dans l'extériorité, dans la brisure, dans la mort. Mais cette offrande de notre cœur pécheur étant constamment renouvelée, n'allons pas imaginer la nouvelle alliance avec Jésus comme une simple rencontre personnelle. La communion où l'Esprit nous introduit ne se limite pas à un face-à-face entre la personne du Christ et notre personne, ni à une conformité extérieure de notre volonté à la sienne. La liturgie vécue commence, certes, par cette union morale, mais elle tend bien plus loin. L'Esprit-Saint est l'onction et il cherche à nous transformer dans le Christ selon ce que nous sommes intégralement, corps, âme, esprit, cœur, chair, en relation aux autres et au monde. Pour que l'amour devienne notre vie, il ne suffit pas qu'il nous atteigne en notre origine personnelle, il doit imprégner toute notre nature. Cette puissance transformante du fleuve de vie qui pénètre tout l'homme, personne et nature, la tradition indivise des Églises l'appelle d'un mot étonnant qui résume le mystère de la liturgie vécue, la déification, la théosis. De par le baptême et le sceau du don de l'Esprit-Saint, nous sommes devenus participants de la nature divine. Dans la liturgie du cœur jaillit la source de cette déification. L'Esprit-Saint et notre personne confluent en une seule origine.
configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Salut-toi. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Neuf mois après l'Immaculée Conception, le calendrier liturgique nous donne de célébrer la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Événement sur lequel l'Écriture ne nous donne pas de détails. Aussi, en quoi le texte lu aujourd'hui se rapporte-t-il à cette fête? Le texte du prophète Michée parle de la mère du Messie. C'est pourquoi le Seigneur les abandonnera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Marthe Robin disait que tout ce que l'on dit de Marie doit se rapporter à ce titre qu'elle a d'être mère de Dieu. Nous célébrons la venue au monde de Marie Immaculée, qui doit être la mère de Jésus, le Fils de Dieu. C'est donc une étape capitale de l'histoire du salut. Marie, dont tout l'être n'est que oui à Dieu, elle qui est sans péché, se rapproche du jour où elle consentira pleinement au dessein de Dieu sur elle et sur toute l'humanité lors de l'Annonciation. Le texte du prophète Michée nous donne de grands éclairages sur ces événements. Il annonce la naissance à Bethléem de celui qui doit régner sur Israël et dont les origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. Car en effet, le Fils de Dieu préexiste au sein de la Trinité depuis l'éternité. Comment ne pas être pris de vertige à cette annonce disant que l'Éternel va entrer dans le temps? C'est bien cela qu'a permis Marie. C'est vers cela qu'était orientée sa vie. Elle est comme un pont, un aqueduc plus précisément, nous dit saint Bernard. Par elle vient vers nous le Messie Sauveur, celui qui nous rachète de tous nos péchés et qui nous donne de former un seul corps, son corps, qui est l'Église. C'est ce qu'annonce la suite de l'oracle de Michée.
Alors le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Il se dressera, il fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Marie, mère de l'Église, veille maternellement sur ce troupeau qui est celui de son Fils. Elle intercède en notre faveur. Marie mérite bien que nous fêtions le jour de sa naissance. Il y a peu de nativité dans le calendrier liturgique, celle de Jésus, bien sûr. En dehors de celle de Jésus, deux seulement. La nativité de Marie et la nativité de Jean-Baptiste. C'est dire que cet honneur est réservé à ceux qui ont un rôle déterminant dans l'histoire du salut. Réjouissons-nous de cette naissance et n'oublions pas ce qu'elle représente, la naissance de celle qui doit enfanter le Messie. Prions pour que nous puissions témoigner de notre foi auprès de ceux qui doutent ou ne croient pas. Il ne faut pas que ces événements inouïs que la liturgie nous donne de célébrer nous fassent devenir blasés ou habitués. Il faut que nous gardions dans notre cœur la fraîcheur de la première découverte, amplifiée encore par tous les rappels que nous avons eus. Alors nous pourrons apporter à nos contemporains un regard nouveau, une perception de la réalité différente, car donnant la priorité à ce qui ne se voit pas. Car Marie est bien au ciel et elle se penche vers nous avec sollicitude, alors que nous, nous cheminons dans la foi. Que cette foi soit contagieuse et que nous sachions être pour les autres rayonnement de la lumière d'en haut en participant de la nature divine. Seigneur, tu te révèles présent dans les personnes pauvres et rejetées. Par Marie qui t'a accueilli à ta naissance, nous te prions pour les migrants et pour ceux qui tentent de leur apporter de l'aide. Que ton nom soit béni, Seigneur.
tu t'es fait l'aîné d'une multitude de frères. Par Marie qui a veillé près de toi à la croix, nous te prions pour les personnes qui essaient de créer des liens entre les peuples. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, tu appelles les hommes à se laisser rendre justes comme toi et par toi. Par Marie qui a fait en tout ta volonté, nous te prions pour les pays qui connaissent des troubles à cause de luttes pour le pouvoir à la tête de l'État, spécialement en ces jours, pour le Gabon et pour le Brésil. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Saint Dieu, Saint Paul, Saint immortel, en pitié de Saint Dieu, Saint Paul, Saint immortel, prends pitié de nous. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
Afin que nous soyons